La cérémonie des Alérions s'est déroulée mardi 25 juin au Seven Casino d'Amnéville, en présence de la Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne, la Région Lorraine et de l'invité mystère Anne-Sophie Matisse, plusieurs fois championne du monde de boxe. Cette cérémonie a permis de récompenser dans un premier temps les clubs lorrains pour leur engagement dans le développement de l'arbitrage. Les référents arbitres ont eu le droit également à leur distinction. Ils ont reçu un coupe-vent, symbole de leur engagement sur le bord du terrain. Enfin, c'est au tour des arbitres d'être honorés. Mention spéciale à Manon Veil, meilleur arbitre féminin de l'année. En fin de cérémonie, Brendan Roffey, meilleur arbitre de Ligue 1, s'est arrêté à notre micro pour nous expliquer la signification de sa récompense. Bah, cette récompense, en fait, c'est le classement des jeunes arbitres, donc, c'est-à-dire Ligue 1, donc à des arbitres de DH qui sont amenés à évoluer en DH. Cette année, j'ai eu la chance de finir premier, donc c'est vraiment un gros événement. Voilà, c'est l'aboutissement d'un travail et puis aussi récompenser les personnes qui m'ont suivi et qui m'ont aidé durant mon parcours. Est-ce que tu t'y attendais ou c'est totalement une surprise pour toi ? Non, parce que en fait c'est très compliqué, il y a beaucoup de jeunes arbitres très, très talentueux et c'est vraiment compliqué de finir premier et voilà, donc je suis encore plus fier de cette place quoi. Bien, Sophie Matisse, vous étiez là en tant que invité surprise. C'est la première fois que vous participez à ce genre d'événement au niveau du football ? Au niveau du football, oui, parce que là c'était le côté arbitre et je ne connaissais pas. Je trouve ça super parce que si on pouvait mettre en avant les arbitres de tous les sports, ça permettrait justement de les maintenir et de les faire évoluer. Donc j'ai trouvé ça sympa. Il n'y a pas ce genre de distinction en boxe ? Pas du tout. Je pense que ça doit se faire sur le club, mais après, au niveau régional, voire national, il n'y en a pas non. Le fait d'être mis en avant comme ça ce soir, ça vous fait plaisir d'avoir de la reconnaissance ? Ouais, c'est vrai que c'est important, c'est en Lorraine, et que ce soit le foot qui me mette en avant, et, c'est une reconnaissance parce que justement on n'est pas assez médiatique sur le plan national, donc là au moins sur le plan régional, je suis reconnu en tant que tel et ça me fait plaisir. Juste pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite justement ? Eh ben, de terminer en beauté, comme toute personne qui pourra arrêter. Après, c'est surtout de retrouver quelque chose, c'est-à-dire un métier qui me motive autant que j'ai pu pratiquer la boxe à haut niveau.